Bonjour et bienvenue, pas bonsoir, bonjour. Soyez bénis aujourd'hui, ça nous fait un grand plaisir que vous soyez ici, malgré le froid. Dis à ton voisin, tu as bravé le froid. Amen, alléluia. C'est pas si pire. Moins 33, ça se prend bien. On va se lever ensemble si vous voulez bien, on va commencer à louer le Seigneur. Nos jeunes sont partis dans un camp d'hiver, une trentaine de personnes, à peu près 27 à 30 personnes de partie. Alors, on va prier pour eux dans quelques minutes. Amen. Seigneur, on veut te bénir, te louer, t'adorer pour cette belle journée. Merci pour ceux et celles qui se sont déplacés ce matin, qui sont remplis de ton esprit, Seigneur Dieu. Merci de ton amour pour chacun de nous. Et tout le monde dit Amen. Venez chanter, danser, louer le Seigneur en avant. On a besoin de vous. Nos jeunes ne sont pas ici. Come on, venez. Amen. On loue le Seigneur comme ce serait la dernière fois. On lui donne toute la gloire ce matin. Amen. Louons-le avec les mains, avec notre voix, avec nos pieds. Il est digne de toute louange. Hey! Ensemble, chantons-le. Je veux. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale. Ta bonté m'envahit, ta bonté me poursuit. Ton amour m'émerveille. Ensemble, je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je ris de joie. Tu es bon pour moi. Je chante, oui je chante, car tu es bon. Oui je danse, car tu es bon. Oui je crie de joie. Tu es bon pour moi. Ensemble. Je veux encore ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale. Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit. Ton amour m'émerveille. Je chante, je chante, car tu es bon et je danse. Je danse car tu es bon et je
chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie, tu es bon pour moi. Tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste.
reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons, tous ensemble nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire.
En moi bénis son Saint-Nom. Malgré les circonstances, malgré ce que nous entend, mon âme bénit l'Éternel. Oh, hallelujah,
où me voici pour t'adorer. Ensemble, chantons-le. Me voici pour t'adorer de tout mon être, de tout mon être, pour t'adorer en esprit, en vérité, et en vérité, ce matin. Oui, Seigneur, nous t'adorons, car tu es puissant, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Adorons-le de tout notre cœur ce matin. Comment donnons-lui la gloire ce matin. Dites-lui qu'il est digne de louange ce matin. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Oui, nous t'aimons.
Oui, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Oui, nous t'aimons, Jésus. Tu es bon. Alléluia. Choro seke amai. Comment est-ce qu'il est bon ce matin? Faites juste lui donner toute ta gloire ce matin pour être dans ce lieu, dans vos vies ce matin. Merci Seigneur, on te donne la gloire pour ce que tu vas faire, Jésus. Yeah. Alléluia. Merci pour les guérisons, les délivrances. Shalom de l'eau, le Sekéa. Yesu long mi, Yesu long wo, Yesu long wo, yeah 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 yeah, Yesu, Yesu, Sherebe Alaseke. In this place you are welcome, Lord. Yeah, 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 yeah. Ouvrez vos cœurs, dit le Seigneur, car je désire déposer en chacun de vos vies cet amour liquide, cet amour de feu. Recevez cet amour que j'ai pour chacun de vous ce matin. Peu importe ce que vous avez vécu ce matin avant d'arriver, je suis un Dieu qui pardonne. Je suis un Dieu qui bénit. Je suis un Dieu qui moins. Je suis un Dieu qui remplit. Laissez-vous remplir ce matin. Ouvrez vos cœurs, levez vos mains, recevez. Alléluia, Jesus. Tournez-vous vers quelqu'un et dites-là ce matin, sois rempli de sa présence. Yes. Alors, on lui souhaite la bienvenue ce matin. Il nous vient de Montréal. Son nom est Jean Pelletier. Et il a amené avec lui des CD qui sont sur la table à votre sortie. Alors, encouragez les chrétiens, les chanteurs et les artistes chrétiens. On a tous besoin de la musique chrétienne dans nos maisons, n'est-ce pas? On est d'accord, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord, Jean? Alors, voyez ces CD sur la table en sortant. Merci. Quelle belle présence de Dieu. Êtes-vous bien dans la présence de Dieu? Vous savez, hier, c'est la Saint-Valentin. Et puis, ce matin, c'est encore mieux que la Saint-Valentin parce que le Valentin est avec nous autres. Le Valentin est avec nous autres ce matin. Est-ce qu'il y en a qui aiment Jésus? Bien, savez, sachez une chose, que lui, il vous aime encore plus. Encore beaucoup. Je suis là, je suis arrivé. Oh, gloire à Dieu. Père éternel, je vais te remettre ce chant, Seigneur, parce que Père éternel, tu as des fleuves d'amour pour chacun de nous ce matin dans ce lieu. J'aimerais que tu regardes la personne à côté de toi, tu lui dis, hey, ce matin, il y a des fleuves d'amour pour toi. Puis il regarde l'autre à côté, de l'autre côté, puis il dit lui, il y en a pour toi aussi. Il y a un endroit où je peux aller. À cet endroit, je suis invité. Assis sur un trône, le roi me désire. Je peux résister, c'est lui,
qui m'attire, debout devant lui, les yeux pleins de larmes. Il m'ouvre son cœur, me prend dans ses bras, et à chaque instant la nuit est comme le jour. Je suis consumé par son amour, ce fleuve d'amour. Fleuve d'amour. Petit dans ses bras, mes questions explosent. Est-ce vrai tout cela? Est-ce un rêve ou autre chose? Peut-il m'accepter de vraiment m'aimer? Et tout le mal dont je me suis lié, soudain je l'entends, mon cœur frémit, ces mots me transpercent et me donnent la vie. Je t'aime mon enfant, je t'ai toujours aimé, sois consumé par mon amour, le fleuve d'amour. Fleuve d'amour. Fleuve d'amour. Fleuve d'amour. Je veux demeurer à cet endroit. Je désire toi, tu es tout ce dont j'ai besoin, mon libérateur, mon refuge, l'amour de ma vie, fleuve d'amour. Fleuve d'amour. Fleuve d'amour. Oh, fleuve d'amour. Il y a un vent de liberté dans ce lieu ce matin. J'invite à prendre toute votre liberté dans la présence de Dieu. Parce qu'il t'aime. Il n'y a rien que tu as pu faire, que tu n'as pu pas faire, qui peut t'éloigner de la main de Dieu. Reçois. Reçois son amour ce matin. Je t'aime mon enfant, je t'ai toujours aimé. Sois consumé par mon amour. Je t'aime mon enfant, je t'ai toujours aimé. Sois consumé par mon amour. Je t'aime mon enfant, je t'ai toujours aimé. Sois consumé par mon amour. Je t'aime mon enfant, je t'ai toujours aimé. Sois consumé par mon amour. Fleuve d'amour. Fleuve d'amour. Jésus, fleuve d'amour. Fleuve d'amour. Amen, amen. Merci beaucoup, Jean. Hallelujah. Merci, vous êtes braves ce matin. La semaine passée, quand je prêchais, il faisait moins 38. Plus 38, puis aujourd'hui, il fait moins 35. Vous êtes braves. On peut allumer les lumières. Vous êtes braves, ceux qui sont venus ce matin. Vous êtes très braves, ceux qui sont venus ce matin.
et je vous félicite. Dieu va parler à chacune de vos vies ce matin. Dieu veut parler à vos cœurs ce matin. Ouvrez grand vos cœurs ce matin. Je vous dis qu'il est vivant. Dieu a déjà commencé, il y a quelqu'un qui a des problèmes ici avec ses yeux, et Dieu a déjà commencé à la fin de la louange simplement à guérir cette personne. Amen. Cette personne, je pense, c'est un genre de pression qu'elle sentait en arrière des yeux. Et vous allez voir, d'ici la fin de la prédication, vous allez guérir au complet. Amen. Au complet. Je remercie le Seigneur. Merci beaucoup pour vos prières. Amen. On a vu la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a des Togolais ici ce matin? Jésus l'ont mis. Tu es le seul, franchement. Yesu Alungibino. Ah, il y a des Congolais ici. Demandez-moi-en pas d'autres, j'en sais pas d'autres. Amen, 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 amen. On a eu un temps extraordinaire là-bas. Merci pour vos prières. Et on a vu des miracles de Dieu. Je donne vraiment la gloire à Dieu ici et même pasteur Mathieu, pasteur, voyons donc, pasteur Pierre Cyr, pasteur Louise aussi, et il y a eu Jean-Paul qui est venu nous servir. Jean-Paul vient juste dire en quelques mots qu'est-ce qui t'a le plus touché là-bas. Amen, on l'accueille ensemble. Et je dis, dans mon prochain voyage, je veux en amener quelques-uns aussi avec moi. Si vous êtes gentil. Merci, papa. J'ai été vraiment touché par la soif des gens, des Togolais. Ils avaient soif, ils voulaient vraiment la présence de Christ. J'avais jamais vu autant de personnes accepter le Seigneur Jésus dans leur vie. Et même ma mère a accepté le Seigneur Jésus. La dernière soirée, je suis vraiment émerveillé. J'ai beaucoup appris en servant aussi. Et Kairos m'a beaucoup aidé. Et tous les conseils que j'ai reçus de tous les membres ici présents aussi m'ont beaucoup aidé. Et j'apprécie beaucoup. Dieu vous aime. Alléluia! Alléluia! Mon titre ce matin, c'est « Unis pour grandir ». C'est important. Écoutez bien. On va regarder, mais je veux juste lire la parole de Dieu avant. Puis après ça, on va regarder une vidéo. On a eu plusieurs miracles. Mardi soir, on va vous monter. Je vais mettre mon boubou aussi. J'ai eu un beau boubou qu'on m'a fait. Je vais mettre mon boubou africain. Et ce qui m'a le plus touché, on a vu environ 1300 personnes donner leur cœur à Jésus. Et on donne la gloire. Merci pour vos prières. Merci pour vos prières. Amen, amen. Et je pense qu'on avait continué la croisade plus longtemps. Le terrain n'était pas assez grand où on était. Il y avait environ, le dernier soir, 10 à 12 000 personnes. Et le dimanche passé, je prêchais à deux services. Il faisait 38 dans l'église. 38, ça veut dire que le pasteur avait très, très, très chaud. Assez chaud que quand j'ai fini de prêcher, c'était à 7 heures le matin. Je pense qu'on devrait commencer un service pour les Togolais, nos frères africains, à 7 heures le dimanche matin. Est-ce que vous viendriez? Il y a juste Jean-Paul qui lève la main, hein? Qu'est-ce qui m'a le plus touché à travers de tout ça? C'est de voir la soif des gens. Et à 7 heures le matin, entre les deux services, j'ai dû aller me changer parce que j'ai dit au chauffeur, amène-moi à l'hôtel. Puis arrivé à l'hôtel, tu sais, je voulais prendre une douche vite faite ou un bain vite fait. Puis je fais couler l'eau. Clou, 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 clou. Ah, j'ai dit « choux ». Et j'étais tout trempé. J'ai venu à bout de remplir mon bain de ça, puis avec la serviette, la mopette, je me suis lavé, rafraîchi pour aller prêcher le deuxième service. Le deuxième service, il y avait un peu moins de monde, mais on a amené un témoignage d'un monsieur, ça faisait depuis 1982, amen, il n'avait jamais pu s'asseoir et se relever. Et amen, on va juste écouter ce témoignage-là, ensemble, et amen, ça va parler par lui-même. C'est ce monsieur-là, il n'était pas guéri. Depuis 1983, monte en haut, parce que je veux que tout le monde voit le miracle devant les yeux.
Alléluia. Fais simplement lever tes mains. Merci Jésus. Tu as un corset? Oui. Que tout mal disparaisse. Voyez. Au nom de Jésus. Tu peux te pencher? Non. Penche-toi. Ça fait mal. Enlève le corset. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Penche-toi. Penche-toi, papa. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça a élevé. À combien de pourcents? 50%. 60%. 70%. Oui. Ça va. À combien? Oui. Il y a de la misère à une fois. Que tout mal disparaisse au nom de Jésus. Qui peut se relever. Il ne pouvait pas faire ça depuis 30 ans. Alléluia. Tu pouvais faire ça comme ça? Oui. Avant, tu pouvais? Avant, je ne me levais pas. Oh! Et les docteurs m'ont dit que je ne veux pas s'asseoir à la terre. De ne pas s'asseoir à la terre, assis-toi à terre. Docteur Jésus, ouais, dit assis-toi. Assis-toi à terre. Ici, on a un petit bout. Ceux qui ne l'ont pas vu, on a amené un autre petit bout de la croisade. Ça, c'était le deuxième soir quand il y avait... Et quand on appelait les malades avant qu'elles ne viennent devant, c'est avec force. Et lors de la prière, quand le pasteur a demandé de tenir là où on a mal, elle a tenu ses deux pieds. Et quand on priait, il y avait une chaleur. Elle a senti la chaleur dans ses mains. Et maintenant, elle peut faire des mouvements, elle n'a plus mal. Chante, cours. Boudou, vous n'avez pas rien encore. Boudou, vous n'avez pas rien encore. Mais Yesu,
métal dans le bras et t'as plus du tout mal. M'allez-vous au docteur Croix. Non, avant je ne faisais pas ça. Et ça, il y a des trois n'a pas été un peu de mots. Alléluia! Esprit de mort, sors au nom de Jésus. Sors! 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 Hallelujah! 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 Amen! Amen! Dès que nous allons ensemble, merci. Qu'est-ce qui se passe? Perekaya est un petit condi. Ça fait un an qu'elle était hospitalisée. Kakamakova, et du coup, sa jambe gauche est paralysée. Elle ne pouvait pas soulever cette jambe-là. Lève! Woo! Lève! Lève! Quoi il dit? Quoi il dit? Ne va quoi? Alléluia! Un pic de drame! Vas-y maman, cours, cours. Il faut nous. Regardez, on applaudit le roi des rois. On applaudit le roi des rois. Elle était paralysée dans sa jambe gauche. Dans les os. Il y a les os. Amen. Le Dieu. Il y a même ce feu partout. Et sois. Prends toute ma vie. Prends à Kenya Paka. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le Sauveur de ma vie. Je t'accueille ce soir. Pour les années. Comme Seigneur et Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Sois un peu nouveau, Pataké. Lave-moi dans le sang de l'agneau. Amen. 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 On applaudit le roi. Amen. On applaudit le roi des rois. Merci pour vos prières. C'est grâce à vos prières qu'on a vu tant de résultats. Et sans exagérer, j'ai dû couper les témoignages de miracles, de guérisons. Et un qui me marque particulier, c'est un petit bébé qui n'a jamais pu redresser son cou. Et pour la première fois, il n'y avait comme pas d'os ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Puis pour la première fois, il a redressé son cou. Et on l'a, je pense, sur vidéo à quelque part, ça aussi. Et je veux juste vous dire, ce même Jésus est vivant. Je dis, quelle compassion que Dieu a. Quelle compassion que Dieu a pour son peuple. Et je suis toujours touché de voir simplement la gloire de Dieu comme ça. C'est un honneur pour moi de prêcher devant une foule comme ça. Le dernier soir, il y avait environ, le terrain était rempli où ce qu'on était. Je pense qu'on avait continué, hein, Jean-Paul, ça redoublait parce que les miracles se produisaient un après l'autre comme ça. Et je donne la gloire à Dieu. Ben, je le sais, c'est merci pour vos prières aussi. Merci pour vos prières. C'est bon de sentir en arrière que le Saint-Réveil était là dans les prières. Et il y a une équipe des Assemblées de Dieu qui nous ont reçus là-bas. C'était extraordinaire aussi. C'était tellement bien organisé. Et j'avais jamais vu Pasteur Mathieu danser comme ça. Et c'était une joie de voir ton fils en avant louer Dieu. Et la foule était saisie. Il y avait 12 000 personnes, mais les 12 000 personnes étaient saisies quand il a chanté. Et ça réjouit mon cœur. T'as-tu quelque chose que tu veux rajouter? Ou ça va être mardi soir?
Ça va être mardi soir. Manquez pas. Je vais mettre mon boubou africain. Hallelujah. Et écoutez bien, le message que je vais vous amener ce matin, c'est tellement important aussi. C'est uni pour grandir, mais les versets que je veux utiliser, vous allez voir, Dieu va guérir même ici ce matin. Dieu ne guérit pas seulement en Afrique. Dieu guérit ici aussi. Et Actes 2, 42, 43, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La crainte s'emparait de chacun. Et dans le grec, le mot crainte ici veut dire un désir profond de plaire à Dieu, mais aussi c'est une révérence qu'il y avait. Amen. Une révérence, puis aussi tout le monde était impressionné. Tout le monde était impressionné. C'est comme quand vous avez une voiture neuve, vrai ou faux. Vous voulez, Clotilde, quand elle a eu sa voiture neuve, elle flashait. C'est ma voiture. Amen. Et écoutez bien, c'est la même chose quand Dieu vous utilise pour faire des guérisons et des miracles. Ici, c'est tout le monde était impressionné. Le dernier soir, ça a touché mon cœur aussi. Parce qu'être devant une foule comme ça, et quand j'ai descendu en bas de l'estrade le dernier soir, la voiture était comme d'ici au mur là-bas. Puis je voulais que le chauffeur la rapproche. Mais sans m'en apercevoir, le monde commençait à venir vers moi, les petits-enfants et tout ça, les adultes aussi. Puis je priais en m'en allant à la voiture. Puis quand j'ai sorti du stage, je croyais là, j'avais de la misère à me tenir debout. Même le pasteur qui écoutait les témoignages, il y avait une lignée de témoignages des gens qui étaient guéris, des miracles. Et là, je dis, c'est le dernier, oui, oui, pasteur. Puis là, j'envoyais un autre encore en ligne. J'ai dit, je t'avais dit, c'est le dernier. Ah ben, il dit, il est trop bon, lui. Fait qu'il passait ces témoignages-là, puis il en a passé 4-5 comme ça de plus. Et quand j'ai sorti en bas de l'estrade, parce que l'estrade était à peu près, je dirais, 10 pieds d'eau, 8 à 10 pieds d'eau, comme il faut. Et quand j'ai descendu en bas, j'ai eu compassion des gens. J'ai commencé à prier pour les gens en m'en allant à la voiture. Mais là, soudainement, il est venu. Jean-Paul, tu as vu ça. Il est venu comme une foule vers moi. Puis, c'est comme tout le monde voulait me toucher. Puis là, j'ai vu une chance qu'il y avait un garde de corps qui était là en avant de moi. Il m'a pogné par le bras, puis il m'a rentré dans la voiture. Puis là, parce que c'était comme... Et c'est là que j'ai pu expérimenter qu'est-ce que Jésus expérimentait. Quand les foules venaient vers lui, pour être guéris, pour être délivrés. Et je vous dis, c'est une sensation quand même qui est merveilleuse de voir la soif de nos frères et nos sœurs togolais. Puis c'est un peuple paisible. Ils ont tellement été gentils pour nous accueillir. Que je remercie Dieu. Fait que quand la crainte s'emparait de chacun d'eux, c'est tout le monde était très impressionné. Et je vous dis, un miracle impressionne tout le monde. Même les pasteurs sont impressionnés. Est-ce que vous me suivez? Un miracle impressionne tout le monde parce que tu le sais, c'est pas Jean Turpin qui le fait. Ça prend une activité divine, amen, de notre Dieu qui vient toucher ces gens malades-là. Et des moments d'année, j'étais vraiment, puis je pleurais dans mon cœur de voir la souffrance. Spécialement le dernier soir, j'ai pris mon courage, j'ai même fait des pas de foi que j'ai jamais fait. J'ai amené tous les paralysés sur un bord, puis tous les sourds, les aveugles sur l'autre. J'ai dit, « Man, je suis dans la soupe chaude si Dieu fait rien. » Mais je savais que mon Dieu était pour faire quelque chose. C'est là que j'ai vu la compassion que Dieu avait pour les foules. La compassion que Dieu avait pour les foules.
Et j'ai vu que Dieu voulait que je porte du fruit comme ça. Amen. C'est le désir de Dieu que vous portiez du fruit. Est-ce que vous me suivez? Il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges. Et c'est là que j'ai compris, Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dieu veut que vous portiez du fruit comme ça. Et c'est le désir du cœur de Dieu. Et je voyais les pasteurs qui commençaient en feu là-bas. Il y avait pasteur William que j'aimais beaucoup parce qu'il me racontait comment au Niger, comment il y avait eu des difficultés. Puis qu'on avait brûlé 20 de ces églises. Come on, les chrétiens, il faut se réveiller. Amen. Il y a une lutte spirituelle qui s'exerce. Mais je crois que les chrétiens, on doit être remplis et porter de plus en plus de fruits. J'entendais un autre témoignage que pasteur Denis m'a conté ici. Il y a quelqu'un qui a été guéri d'un cancer terminal. Amen. Une femme de pasteur qu'on a amenée ici dans notre bureau, on a prié pour elle. Elle avait le cancer terminal, 4. Et j'ai entendu dire qu'elle est guérie au complet. Amen. Médicalement, on a prouvé qu'elle est guérie au complet. Frères et sœurs, Dieu veut qu'on porte du fruit. Avez-vous remarqué, je n'ai pas prié longtemps, je n'ai pas supplié Dieu pour guérir ce malade parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de guérison dans la salle. Fait que j'ai dépassé le chicken line, la ligne, la poule mouillée. Écoutez bien, il faut le faire quand même. Hein? Je suis juste humain, moi aussi. Amen. Puis amener un cas de même devant tout le monde. Puis la personne n'était pas guérie quand j'ai commencé à prier. Mais j'ai juste mis, sois guéri au nom de Jésus. Je n'ai pas supplié Dieu. Parce que c'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu de guérir les malades. C'est le désir de Dieu que tu portes du fruit. C'est le désir de Dieu que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu portes du fruit dans ces derniers jours. C'est pour ça, tu dois être uni avec Dieu. On doit s'unir avec Dieu. Dans Marc 12, 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. On m'a invité, mon fils Bernard est descendu là-bas et mon fils Bernard est venu juste pour recevoir qu'est-ce que Dieu avait mis sur ma vie parce que lui-ci était pour commencer des grandes croisades à la Côte d'Ivoire parce qu'il sent que Dieu lui a demandé de le faire. Puis, pasteur Bernard m'a dit, la première fois que j'ai fait l'appel au salut, il a commencé, il y a un feu qui est venu sur lui, puis il a commencé à crier là-bas. Il a commencé à crier. Ceux qui connaissent pasteur Bernard, amen, il dit, ce feu m'a transformé. Et je sais qu'il va voir. Et on m'a amené, il y a un pasteur là-bas qui voit 2-3 paralysés par dimanche marcher dans son église. Puis il voulait absolument que j'aille prêcher à son église. Il y a une grande église, c'est pasteur Dra, un grand nom après que je ne comprends pas. Je retiens Dra parce que je m'abrille avec un Dra. Fait que j'ai retenu son nom comme ça. Et il voulait absolument. Mais je vous dis, c'est des gens qui aiment Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il a prophétisé sur moi. Il a prophétisé sur pasteur Mathieu, sur pasteur Pierre. Et on était là, les trois. Et j'ai dit, comment tu pries d'heures par jour? Il dit, depuis que je prie 8 heures par jour, tout a changé. 8 heures par jour? Hello, frères et sœurs, je vous parle des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur. Il dit, le jour où j'ai commencé mon église à tripler, quadripler, 5 fois plus. Il y a une puissance quand vous vous unissez au Dieu créateur. Il y a une puissance quand tu t'unis à Dieu.
C'est pour ça en Jean 15, 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le mot demeure ici, c'est meno dans le grec. Ça veut dire reste, qui ne quitte pas, s'établit et continue. Ça veut dire tu ne lâches pas, tu restes en Dieu. Et pasteur Pierre, il y a eu une prophétie qui était pour commencer à prier 8 heures par jour. Comme c'est là, il se lève la nuit pour prier et tout. Mais écoutez bien, je veux me tenir avec des gens en feu comme ça. Est-ce que vous me suivez? Pour moi, c'est une joie, c'est un honneur, parce que je vois les choses. En plus, il nous a fait passer VIP à l'aéroport et tout, puis je vous raconterai mardi soir qu'est-ce qui s'est produit à l'aéroport aussi. Et c'est là que j'ai vu, quand tu es uni à Dieu, il se produit quelque chose. 2 Chroniques 16, 9a nous dit, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. » Il regarde présentement. « Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Tu regardes pour soutenir. Est-ce que votre cœur est 100% à Dieu ou il y a de la moitié dans le monde? J'étais fier de mon fils. Quand j'ai vu mon fils, il était pété comme ça. Je le regardais d'en bas. J'ai dit, c'est mon fils, ça? J'ai dit, non, c'est plus mon fils. C'est ton fils, Seigneur. Puis il se faisait aller. Je ne l'ai jamais vu danser comme ça, j'ai dit. J'ai dit, où t'as appris à danser? Ça devrait être moi qui te montre à danser. Et je vous dis, ça a fait la joie dans le cœur du Père ici. Amen. Et je vois... chaque fois que vous faites quelque chose, et en plus, quand ils commençaient à chanter, la présence de Dieu tombait sur la foule. La foule était touchée. La foule était touchée. Fait que, s'unir avec Dieu, plus ça va, plus je rencontre des frères et des sœurs comme ça dans le monde. Il va venir un prophète ici à l'église. Il vient du Ghana. Il va donner votre adresse, votre nom. Et écoute, tout, votre vie va se dérouler. Il va venir cette année. On y a parlé au téléphone et tout. Et je dis pas ça, mais le surnaturel, c'est bon de savoir que Dieu a tout sous contrôle sur la terre. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres bons prophètes. Il est venu le prophète Bruno Picard, puis c'était excellent. Mais j'aime ça en avant. On a nos prophètes ici à l'église aussi. Mais là, on va en faire venir un méchant pété qu'on appelle en québécois. Et il vient du Ghana, on y a déjà parlé. Il parle anglais, mais hey, anglais, français, c'est l'Esprit de Dieu. Il y a un langage. Il parle le langage du Saint-Esprit. Fait que c'est pour ça, vous voyez, des fois, on a des invités qui sont différents. Mais je veux vous encourager, soyez unis avec Dieu. Dieu a un plan de bonheur. Amen, amen. Je vois Jocelyne, elle m'a conté un témoignage, on va le compter la semaine prochaine. Comment Dieu les bénit. Amen. Soyez unis avec Dieu. Unis dans sa parole aussi. Psaume 119, 50b. Car ta promesse me rend la vie. Psaume 119, 165, il a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Acte 2, 42a nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Psaume 119, 11, tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Et mon favori pour la parole de Dieu, écoutez bien, c'est Dieu ici qui parle. Proverbe 4, versets 20 à 22, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Amen.
Je vais être invité peut-être au Congo d'aller prêcher dans une église de 40-50 000 membres. Et ce frère-là, c'est lui qui a semé. Et ces gens-là prient 8-9 heures par jour. Écoutez bien. C'est des gens de la parole de Dieu. On ne peut pas jouer à l'église et s'attendre de recevoir du ciel. Est-ce que vous me suivez? Tous ces hommes que je rencontre, ils ont un Nouveau Testament dans leur poche, puis ils allent aux toilettes, puis ils lisent continuellement, « Menum, menum, ta parole est vraiment une nourriture. » Et mais si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon père et moi, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Et ce sont tous, je vous le dis, plus j'en rencontre, plus je voyage, je rencontre les plus pétés dans le monde entier. Puis je vous dis, il y a un secret. Ils sont unis à Dieu, unis à sa parole. Puis il y a quelque chose d'autre aussi qui me touchait. Ils sont unis avec l'Église. Le prophète qui va venir ici, amen, travaille dans une église locale. C'est quoi son nom, Mathieu? Il vient du Ghana? Tu ne sais pas, moi non plus. Et écoutez bien, c'est pour cette raison, acte 2, 46 nous dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ça veut dire, assidus, ça veut dire qu'ils étaient dévoués, constants à une cause. Ils continuaient tout le temps, beau temps, mauvais temps. Ils ne lâchaient pas. « Ah, mais un tel m'a blessé à l'église, là. J'y vais plus. » Écoute, tu vas être blessé souvent. Je peux-tu avoir un « amen » là-dessus? Il va toujours avoir quelqu'un qui va vous flatter le sens contraire du poil. Mais laissez-vous former. Si vous vous laissez frotter assez souvent le sens contraire du poil, il va remonter. Découragez-vous pas. Et qu'est-ce qui m'a plus? Souvent, j'ai prêché ça ici. Amen. Planté dans la maison de l'Éternel. Psaume 82. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Et je voyais ce pasteur. Il veut absolument. Il voulait que j'aille prêcher à son église. Ils sont à peu près 5000. Et je n'ai pas pu aller prêcher à son église. Même il veut me faire revenir là-bas. Mais on travaillait avec les assemblées de Dieu qui nous ont accueillis d'une façon extraordinaire. Je vous dis, ils nous ont accueillis. Pasteur Gaston qui est venu ici, qui disait « Alléluia, 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 Alléluia. » Mais j'ai vu là-bas l'œuvre qu'ils font. Et j'étais touché de voir nos frères. Et souvent, les salaires là-bas, ici, ça se plaint. Les salaires de ceux qui travaillaient étaient environ 50 $ par mois. Dans ton voisin, on est béni. Il fait fret, mais on est béni. Ça vaut-tu la peine d'endurer le froid un peu? Ils étaient unis avec l'Église. Mais aussi, j'ai remarqué, quand j'ai rencontré le président des Assemblées de Dieu, de toute l'Afrique aussi qui était là, et on a eu une réunion dans leur bureau, je voyais le respect qu'ils avaient pour leur leader. Puis je vous dis, c'est quelque chose que j'enseignais souvent à l'Église ici. Amen. Quand la Bible dit dans 2 Corinthiens 20b, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Mais confiez-vous, ça veut dire en ses prophètes, celui qui parle au nom de Dieu, et vous réussirez. Vous allez réussir. Vous allez, qui veut réussir ici? Vous allez réussir. Et je voyais. Et c'est pour cette raison, Matthieu. C'est tellement beau ça. Pas Mathieu, mon fils, il est beau aussi. Il s'en vient aussi beau que son père. Matthieu 10, 40 nous dit, « Celui qui vous reçoit, écoutez bien,
quand on me reçoit là-bas, et même vous, si vous me recevez, ce n'est pas moi que vous recevez, c'est Christ que vous recevez. Celui qui vous reçoit, Jésus dit, me reçoit. Et là-bas, j'ai été accueilli, et c'est pour ça, même le premier soir, on commençait à prêcher à 10 heures le soir. Non, pas 10 heures, à 11 heures, 11 heures et demie, j'ai prêché. Et il y avait peut-être 5 000 personnes, 5-6 000 personnes. L'église était pactée. En dehors de l'église, c'était pacté, pacté aussi. Puis ça priait jusqu'à 3 heures du matin. Il y en a qu'on a de la misère à vous amener en temps à l'église le dimanche matin. À 11 heures, imaginez-vous. Il y a une puissance quand tu es uni à ton leader. Je vous dis, je vous le dis, je ne sais pas comment le dire. Celui qui vous reçoit, me reçoit. C'est Jésus qui dit ça. Et celui qui reçoit, qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que vous recevez le Père aussi. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et le mot recevoir, reçoit ici dans le grec, veut dire c'est prendre par la main, en prendre soin, recevoir dans ta famille pour t'instruire. Et je suis ici pour une saison, frères et sœurs. C'est pour vous instruire dans les choses de Dieu. Je suis ici sur la terre pour vous instruire. Et je sais que Dieu m'appelle aussi à faire cela. Et je suis uni à mon appel. Dieu m'a appelé d'aller partout dans le monde enseigner. Et c'est pour ça, Ésaïe 6:8 nous dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Hébreux 17 nous dit, « Alors j'ai dit, voici je viens, c'est Jésus, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et un soir, un après-midi, j'étais couché, j'étais après prier pour la soirée là-bas. On a prêché au pasteur le matin et le soir, c'était la croisade. Et un après-midi, c'est la vérité, qu'est-ce que je vous dis là? J'ai appelé ma femme, j'ai dit, écoute Louise, Dieu m'a dit, Jean, si tu es prêt à aller où je vais t'amener, et je vais te guérir complètement dans ton corps, parce qu'il y a une situation de sang dans mon système qui ne fonctionne pas tout à fait bien. Mais il dit, si tu n'es pas prêt à aller partout où je t'envoie, il dit, ta mission est finie ici-bas. Ouh. Mais j'ai dit, Seigneur, je suis prêt à aller n'importe où. Écoute, les gens ne réalisent pas des fois comment sérieux que c'est faire la volonté de Dieu. Et j'ai dit tout de suite, j'ai dit, Seigneur, guéris-moi parce que je suis prêt. Parce que sans ça, on occupe la place inutilement. Et quand j'ai dit ça à ma femme, j'ai dit, Louise m'a dit, tu retournes-tu en Afrique? J'ai dit, non, Louise. Je me sens ennuyé de ma cocotte. Viens ici, ma chérie. Viens. Sois soumise. Vous savez, il y a un temps de Dieu pour faire sa volonté. Et je veux vous le dire, quand on marche, des fois, le diable veut vous faire croire que ce n'est pas plaisant de faire la volonté de Dieu. Je vous le dis, il n'y a pas rien au monde que vous pouvez me donner que qu'est-ce que j'ai fait là-bas la semaine passée. Est-ce que vous me suivez? Vous ne pouvez pas l'acheter. Dieu veut vous utiliser aussi. Et j'ai une femme extraordinaire. Tu n'as pas besoin de lever ta main. Il faut que ça vienne naturel des gens. Et j'ai une femme extraordinaire. Je me suis...
Là, ça, c'est naturel. Tu vois, quand tu ne forces pas, l'Esprit de Dieu peut travailler. Mais quand tu forces, ça l'empêche l'Esprit de Dieu de travailler. Ma Valentine. Tu peux me donner un bec? Hey, demain, un bec sur le bec, oh. Et je veux remercier Dieu de tout mon cœur pour ce qu'il fait au milieu de nous. Et j'ai dit à ma femme, si Dieu veut, je prie 8 heures par jour. Je vais le faire, mais on ne sera pas malheureux. Ce n'est pas l'idée que tu t'en vas dans le coin et tu as le visage long. Moi, je prie. Non, il y a une joie quand tu fais la volonté de Dieu. Et je crois que c'est le temps Kairos pour cette église. Je crois que c'est le temps de Dieu. Ecclésias 8:5b, le cœur du sage connaît le temps. Je crois que c'est le temps de Dieu que Dieu veut vous utiliser. Je parlais à un pasteur, la troisième éclipse lunaire s'en vient. Il me disait hier, Jean, beaucoup de gens sont aveugles de toutes ces choses-là. Il y a des signes dans le ciel présentement. Il y a des signes sur la terre. On n'a plus pour longtemps. Puis Dieu veut qu'on soit une armée remplie du Saint-Esprit de Dieu qui va opérer avec des signes et des prodiges. Amen, amen. Et Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser. Le psaume 90, 12. Enseigne-moi à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et Proverbe 11, 30 nous dit, « Celui qui gagne des âmes est sage. » Et pasteur Matt, on a mis 1200, mais il me disait, on a eu 1300 conversions à Jésus. Mais je vous dis, c'est glorieux. C'est glorieux quand Dieu vous utilise. Et le désir de Dieu, c'est de vous utiliser. Même il y a des gens qui connaissent notre émission de télévision au Togo. Centre Réveil s'en vient, une place où on va amener les malades de partout. Et les malades vont être guéris. Soyez unis avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, j'ai appris encore plus à travers de cette croisade. De laisser d'opérer par le Saint-Esprit qui est sur ma vie. De la présence de Dieu qui est sur ma vie. Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Dieu était avec lui. Jouons pas à l'église. Ayez pas un pied dans le monde, pas un pied dans l'église. Dieu vous veut à 100%. Dieu désire votre cœur à 100%. Alléluia, Jésus. C'est le désir de Dieu qu'on porte du fruit. Il y a quelqu'un ici qui a un genou, c'est comme écorché. Je ne sais pas si c'est l'intérieur ou les os qui sont... Ça a de la misère à reprendre. Amen. Jésus guérit cela ce matin. Quelqu'un d'autre, il y a un nerf coincé dans votre cou. Ça va décoincer au nom de Jésus-Christ. Puis écoutez-moi. Il y a quelqu'un que Dieu vous appelle de vous faire former. Amen à Kairos. Et Dieu va vous ramener dans votre pays. Pour être un témoin puissant. Un témoin rempli de la gloire de Dieu. Soyez unis à l'Esprit de Dieu. Pour l'éternité. Avant qu'on termine ce matin, est-ce qu'il y en a ici? Vous êtes ici ce matin
et vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus-Christ. Comme Seigneur, Seigneur, c'est numéro un, et Sauveur. Vous êtes assis ici ce matin et vous aimeriez lui donner toute votre vie. Faites simplement lever votre main là où vous êtes. Puis je veux prier pour ces gens-là ce matin. Pour moi, c'est... On avait une personne ce matin donner son cœur à Jésus au premier service. Est-ce qu'il y en a au deuxième service? Peu importe là où vous venez. Je sais qu'il y a des gens du Togo ce matin avec nous. Peu importe là où vous êtes. Si vous êtes ici ce matin, vous n'avez jamais fait Jésus Seigneur tout entier. Ça veut dire que Dieu veut vous avoir à 100% à lui. Si vous n'avez jamais donné toute votre vie à 100% à Jésus, et vous aimeriez le faire ce matin, faites juste lever votre main. Là où vous êtes, dites, Jean, prie pour moi. Je veux que Jésus prenne toute la place. Je veux lui donner ma vie à 100%. Je vois cette main, monsieur. Merci de votre honnêteté. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, prie pour moi ce matin. Vous pouvez descendre la main, monsieur. Levez-la pour que je la voie. Levez-la pour que je la voie. Restez faire les gens. Amen. Quand vous levez votre main, tu dis, le diable, c'est fini. Dieu a des plans de bonheur pour vous et non de malheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin qui dirait Alléluia. Alléluia. Oui, je vois cette main. Merci. Quelqu'un d'autre qui dirait ce matin, j'en prie pour moi. Je vois cette main. Amen. Quelqu'un d'autre qui dirait ce matin, je vois cette main, je vois cette main. Alléluia. Quelqu'un d'autre qui dirait ce matin, j'en prie pour moi. Je veux que Jésus soit le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. Quelqu'un d'autre, avant que je prie? Je vais inviter tous ceux et celles qui ont levé la main, venez ici, je veux prier pour vous. On les accueille ensemble, tous ceux et celles qui ont levé la main, venez, venez. Viens, viens, viens ma chouette. Alléluia. I praise you, Lord. For your wonderful work at the cross for me. Venez, ceux et celles qui ont levé la main. I praise you, Jesus, for your love, because you care for me. Juste à me regarder ici en avant, parce que je ne veux pas vous humilier. Hallelujah, viens. Viens, viens ma chouette. Si la guérison t'appartient, ma chouette. La guérison t'appartient, ma chouette. Au complet. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Quelqu'un d'autre qui est assis, vous êtes là et vous hésitez ce matin. Venez, venez, levez-vous, levez-vous. En te levant, tu dis non, diable, c'est fini. Tu m'as plus du tout. Je vais marcher pour Jésus-Christ. Je vais marcher pour Jésus-Christ. Hallelujah, on applaudit. Ça prend du courage pour venir. Ça prend du courage pour venir. Viens, viens. Amen. Hallelujah. Faites simplement lever votre main, vos mains vers le ciel. Je veux que tout le monde répète cette prière avec moi pour les encourager de prier ici. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Prends toute la place dans mon cœur. Amen. 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 On les applaudit ensemble. Félicitations. Félicitations. Nouveau départ. Tu t'es fait jouer, mais tu ne te feras pas jouer avec Jésus. Amen. Félicitations. Amen. Allez ici avec Clotilde, mon ami. Congratulations. Félicitations, maman. On les applaudit ensemble, ça prend du courage. Amen.